Eh bien bonsoir à tous, je suis Mikajros, on se retrouve pour la découverte de Tisdan Raid sur PC. Donc on va faire tout de suite une nouvelle partie. Hop, on va se mettre en mode facile. On va faire accepter. Oui. Alors, bloquer une attaque à l'épée au bon moment des équipes votre adversaire. Ok, venez. Donner le soutien de la part de nation dans le... Ok, hop. Corvo, j'aurais souhaité confier cette tâche à un autre, pour vous garder à nos côtés. Mais je ne vois personne d'autre. Le maître espion a eu raison d'insister. La peste a emporté tant de monde. Nous devons trouver un remède. Mon cœur n'est en paix qu'à vos côtés. Émilie et moi compterons les jours jusqu'à votre retour. Revenez-nous vite, avec de bonnes nouvelles. J'espère que vous allez bien. Oh, ça va super. Doucement, c'est bon, attention. Ah oui, pour info, vous avez les soldes de Steam, n'hésitez pas à aller voir. J'ai payé 10 dans Red. Emmenez-nous à Dunwall Tower. Lord Corvo a un message pour l'impératrice et nous venons de... Une dizaine d'euros, je crois. Et avec de mauvaises nouvelles. Les marins disent que nous sommes maudits de la magie noire. Superstition. Peut-être qu'il existe déjà un remède à la peste. Possible. On vit une drôle d'époque. Je vais augmenter légèrement le son du jeu parce qu'on n'entend rien. Garde du corps de l'impératrice pendant des mois, ce n'est pas très commun. Oui, mais il le fallait. Il nous faut agir contre la peste. Hé, hey, là-haut! On monte! C'est bon. C'est bon. T'as compris ce qu'il faut faire? Ouais, ouais, ça manquait de pression. Ils sont trop sur... Alors, impératrice... Corvo, tu es de retour. Ah. Raconte-moi ton voyage. Dis, tu as vu des baleines? Hé, hey, tu veux jouer à cache-cache? Je ferme les yeux et tu vas te cacher. Tu as le temps. Mère est occupée. Elle parle avec ce vilain maître espion. Allez, si tu veux. D'accord, allons-y. Quand tu veux. Cours avec moi. Emily. Je cours plus vite que toi. Ouh. Tu as vu des monstres sur les autres îles? Ma nounou m'a dit qu'il y en avait plein dans le grand océan. Mais moi je crois qu'elle disait ça pour me faire peur. Voyons si tu sais toujours jouer. Va te cacher, je ferme les yeux. Quand j'aurai fini de compter, j'irai te chercher. J'y vais, je compte jusqu'à 10. Trouve-toi une cachette. Ok. Alors, appuyez sur C pour passer en mode furtif. Peut rester à quoi pour éviter de faire opérer. Dans ce mode, vos bruits ne sont pas réduits. Sacré Emily. Ah. Appuie sur E ou A
pour pencher. Okay. Bah alors. Donc, tu as gagné. Allons voir maman, elle doit s'impatienter. Oh. Coucou. Hop. C'est quand même mignon. Le maître espion est avec elle, mais... Ravi de vous revoir, protecteur. Cessez de bouger, Campbell. Et vous, Corvo, bien le bonjour. J'ignorais que vous étiez parti. On l'a envoyé dans les îles, quémandé de l'aide. Une perte de temps. Mon élixir aura tôt fait d'éradiquer la peste. Bien, restez immobile un instant, votre éminence. Ce portrait ne ressemble pas trop à Campbell. C'est qu'à de dire. Elle va vous recevoir. Bonjour, monsieur. Il s'agit de malades, pas de criminels. Là n'est pas la question, votre majesté. Ce sont mes citoyens, et je ferai tout pour les sauver de la peste. Je pensais à une voix, mais alors laquelle ? Sans exception. Très bien. Je ne sais plus où. Nous ne parlerons plus de cela. Maman, Corvo est là. Merci, Emily. Laissez-nous, je vous prie. Tout de suite, Majesté. Corvo, quelle surprise. Vous avez 2 jours d'avance. Rien de moins. Ces enfoirés, là. Comme il est bon de vous revoir ici. Quelles sont vos nouvelles ? Laissons-les donc. J'espérais que cette maladie serait connue sur une autre île, qu'il y avait un remède. C'était mon dernier espoir. Je ne sais plus quoi faire. Les lâches, ils déploient un blocus. Ils veulent attendre de voir si nous succomberons à la peste. Qu'y a-t-il, mère ? Vous semblez triste. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais bien. Mais où sont les gardes ? Qui les a congédiés ? Mère, là-bas ! Qu'est-ce qu'ils font sur le toit ? Quoi ? Émilie, viens ici. Alors, si vous êtes occupé d'une arme ou d'un pouvoir, appuyez sur un... Ok. Émilie, viens derrière moi. Maintenez contrôle pour bloquer les épées. Corvo, merci. Si vous n'aviez pas été là. Oh non! Oh non! 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 Laissez-la tranquille! Corvo! Émilie, protégez-la. Vous êtes le seul. Vous saurez quoi faire. N'est-ce pas ? Quand vous... Juste ciel, mais qu'avez-vous fait ? C'est lui. Il a tué l'impératrice. Lui, tu nous accuses sans savoir... Qu'avez-vous fait de Lady Émilie ? Traître ! Son propre garde du corps. Quelle ironie. Vous le paierez de votre vie, Corvo. Emmenez-le. Aïe.
dernière chance, Corbeau. Signez les aveux et laissez-moi vous administrer les derniers sacrements. C'est assez pour l'instant. Sortez. Laissons-lui du temps pour réfléchir. Corvo, l'impératrice est morte. Sa fille Émilie est bien cachée et personne ne saura jamais la vérité. Oui, pas de chance. Dès demain, vous serez exécuté, mais c'est pour une bonne cause. Ce pays a besoin de dirigeants forts, capables de guider les faibles. Il a besoin de nous. Il n'y a rien de personnel dans tout ça. Même si vous avez presque fait échouer le plan. Mais tout s'est arrangé. Vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il nous fallait trouver un coupable. Adieu, Corvo. Garde, ramenez-le à sa cellule. Mangez donc, Corvo. Ce repas vient d'un ami. Alors... Quelque chose t'a fait peur? Quel imbécile! Hop. Pas d'autre... Pourquoi tout le monde veut venir voir l'exécution de demain? Parce que c'est celle de Corvo, le gars qui a tué l'impératrice. Fais-moi sortir. J'ai plus de 3 jours avant qu'il se coupe la tête. L'accès à l'aile d'isolement est interdit aux équipes d'entretien, sauf accompagné par un officier de la garde. Toute escorte doit faire l'objet d'une demande préalable, une semaine à l'avance. C'est toi qui vas mourir là, c'est pas pareil. C'est qu'on va passer par là. Ça, je prends. Ça, je prends. C'est tout ce qui est bouffe. On passe par là. Ma est réservé au personnel affecté à cet événement. Et au assassin. Ouh, headshot. Comment dire, ça a pris un headshot. Hop. Partir par là. Y'a rien d'autre à prendre. Ah, des sous. Corvo s'est encore évanoui. Même si il en aurait bien davantage que les deux autres détenus pour interrogatoire. Nous répondrons à son réveil. Extrait d'un livre sur les freins. Indispensable qu'il s'y.